Un corner. Je peux pas faire plus facile. La youtubeuse, avant de commencer cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous invite à une soirée spéciale la semaine prochaine. Vous pourrez vous qualifier et passer un moment avec Tonton Sian. Donc restez jusqu'à la fin. Que là, on va faire Ma femme parle de foot. Partie 2. Salut la youtubeuse, c'est Coach Sian, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que ma femme parle de foot. Let's go. Vous l'avez vu il y a quelques années en arrière, cette vidéo avait fait le tour d'internet parce que Souila avait parlé de foot. Oh, le tour d'internet, attends quand même hein. Non, franchement, il y avait des phases incroyables comme celle-là. Combien y a-t-il d'équipes dans le championnat de France? Dans le championnat de France, ouais. Ou la Champions League? Tu vois, là, à ce moment-là précis, tu viens de perdre toute crédibilité possible. Non, attends. Première question, Souila. T'es pour le talent du Barça. Cite-moi 5 joueurs du FC Barcelone. Aujourd'hui? Ouais. Non, allez, je peux te mettre des anciens. Les joueurs du FC Barcelone maintenant. Allez, vas-y. Déjà, Neymar, il est parti. Fabregas, il est parti. Messi et Suarez. Ok. Moi, je me rappellerai toujours de ce que tu m'avais fait. Qu'est-ce que je t'ai fait là? Shakira, le maître de Shakira. Si je t'ai fait ça, ça te fait quoi? Aïe. Je te. Pique. Piqué. T'as vu ou pas? Ouais. Piqué. Ok, 3. J'ai filmé avec lui. C'était vers chez lui et tout. C'est un Français qui est parti au Barça. Dembélé? Ouais, bien. Dembélé, il joue au Barça? Ouais, il joue au Barça, ouais. Ça va, tu connais ton équipe. Un autre qui casse la démarche. Casser la démarche comme ça. Marcelo. Ah non. Oh là là. Ah là, cette vidéo, elle va être marrante, je le sens. Non, Marcelo, je sais qu'il est au Real Madrid. Arrête, hein. Tu sais, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est encore un Français. C'était... Ouais, attends. Casser les manches comme ça. Samuel Eto'o. Mais la lumière elle est choquée. Ça mène une petite touche. Ah, je m'en rappelle plus. Je tenais à dire que si vous voulez savoir pourquoi on porte ces maillots là, allez voir la vidéo sur la Gagné Family. On vous explique tout pendant ce classico, ce qu'on a fait, etc. Donc allez checker ça. Et là c'est le J'ai quelque chose à dire. Vas-y. S'il te plaît, c'est pas parce que je suis l'invité. Normalement tu me laisses parler. Je tenais à dire que sur notre première vidéo Ma femme parle de foot, bah il faut savoir que j'étais enceinte de Ryan. C'est vrai? Ouais, j'étais enceinte de, je crois, 2 mois ou quoi, de Ryan. Et moi je le savais, moi? De... Bah bien sûr que... On a bien avancé depuis. Tiens, mon cas. On a pas avancé sur les vidéos, mais on a avancé sur les bébés. Une question qui est plus en rapport avec tes origines. En quelle année l'Algérie a part... Oh putain, il a mis du Red Bull partout. 12 seconds later. Allez, ça suffit, ça suffit. 12 seconds later. 12 seconds later. En quelle année l'Algérie a participé à la Coupe du Monde? Les 2 fois? Les 4 fois. 4 fois? Ouais. Putain, on est trop fort. Putain, 4 fois. Je sais qu'on a participé en 2010 quand on est parti au Brésil. 2010 au Brésil? 2006 au Brésil? 2006 au Brésil? On se connaissait en 2006? Bah non. Bah alors. Ça commence. 2016. Non, arrête. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et la dernière fois je savais, faut que je révise hein. On s'est mis ensemble en 2013 2016 au Brésil. Mais non, attends, on était quand on est parti au Brésil, on était pas en Coupe du Monde. Bah, si, non. Non. 2014. Voilà, 2014. Ah, c'est peut-être la deuxième bonne réponse, c'est 2010. C'était en Afrique du Sud. C'était la même équipe même, c'était avec Bouguera et... 1986 au Mexique. J'étais même pas née. Et en 82, je sais plus, je crois que c'était en Espagne. Et même dans l'une des deux Coupes du Monde, il y avait eu un... Comme quoi l'Allemagne. L'Allemagne. Voilà. Vous êtes des traîtres les Allemands. Voilà, et c'est pour ça que je voulais que tu sortes ça, mais comme tu t'en rappelais plus, bah voilà, c'est pas grave. Regarde, regarde. Qui a été le dernier Ballon d'Or? Oh, un mec inconnu. Attends, j'ai vu la photo passer sur Instagram, hein, un blond. Attends, on est d'accord, personne ne le connaît. Bon, il joue pour quel club? Oh putain! Allahu alam! Je ne sais même pas! Franchement, mec, chapeau! Franchement, attends, je retire ma casquette que je viens de mettre parce que, mec. Quelle casquette? Celle-là! Casquette Urban Ball que tu peux choper sur urbanball.com au cas où. Non, mais attends! Mec, tu sors de nulle part, on a jamais entendu parler de toi. Tout le monde parle de Cristiano, de Messi. Tu les as tous tapés. T'es arrivé, t'as dit si je suis Ballon d'Or. Pourquoi il a été Ballon d'Or à moi? Ça se trouve c'est un goalkeeper ou quoi hein. Non mais tu sais même pas qui c'est. Non. Aucune idée. Aucune. Un blond. On a quand même regardé Barça et le Real il y a pas longtemps. Il est au Barça Real? Bah l'un des deux. Je t'en ai même parlé pendant le match. Il est au Real. Il est au Real. Ah, je te
j'ai gagné, je suis trop forte. Bah non, mais t'as passé le nom. C'est Lucas Modric qui joue au Real Madrid et qui a été à Ballon d'Or parce qu'il a, gagné la Ligue des Champions et il a été en finale de Coupe du Monde contre la France qui joue avec la Croatie. Zerma, lui, c'est lui, il a gagné la Coupe du Monde. Bon, voilà. Arrête trop. N'abusons pas, tu ne l'as pas gagné tout seul, vous êtes 11 plus les remplaçants, donc viens pas me dire c'est toi qui as gagné la Ligue des Champions, mec. Ça commence mal. La dernière fois, ça commençait trop bien. Comment s'appelle la nouvelle règle qui a été instaurée dans le foot à la Coupe du Monde? En fait, t'abuses de fou parce que tu me fais que des questions de jeu. Non, si tu me fais le geste de cette règle, mais tout le monde en a parlé. Tout le monde, si tu me fais ce geste-là. Mais non, ça c'est pour les b-boys quand ils copient les gestes, celui-là. Tu fais plus des gestes que ton chéri. C'est trop dur. Non, attends. Soit tu me dis le nom, soit tu me fais le geste. Moi, je pensais que t'allais me dire, genre, c'est quoi un but. Ok. La nouvelle règle du foot, ok, juste pour savoir, hein, c'était la VAR. Tu sais, c'était la VAR, la vidéo intégrée. Genre. Oh, mais ça, c'est depuis. Mais Zizou. Non, mais non. Zidane, quand il a mis un coup de tête, il y avait une vidéo derrière. Ils l'ont dit, ah, je t'ai vu en vidéo. Comment appelle-t-on le geste quand une personne fait ça avec le ballon au football? Un corner. Non, je peux pas faire plus facile. Je peux pas faire plus facile. Une passe. Mais non, celui-là. Celui-là. C'est quand la balle elle sort. Mais non, mais celui-là. Ok, quand la balle elle sort, pas en corner, pas vers les buts. Tom Ryan, il était mort de rire. Attends, t'abuses, franchement les questions elles sont dures. Quand la balle elle sort sur le côté là. Ouais, ouais. Comment on appelle ça? Un corner. Non, ça c'est vers le but là. Ouais, mais quand elle sort sur le côté. Sur le côté, pas vers le but. Mais sur le sortie, côté. Celui-là, et qu'on récupère la balle et que la personne elle prend la balle à la main et ouais. La lance comme ça. Mais en même temps, elle la lance comme ça, mais si elle veut la lancer comme ça, elle la lance comme ça. Non, elle a pas le droit. Celui-là, tu connais pas les touches? Si, c'est une touche. Je peux pas faire plus facile. Tu sais le hors-jeu, mais tu connais pas la touche. Franchement, ça fait longtemps. Deux enfants. Elle a régressé en foot. Ah non, même Raya il dit. Franchement, deux enfants ça empêche de regarder le foot. Moi j'ai plus le temps quoi. Comment appelle-t-on ce geste là? Ça là, la talonnade derrière. Ah, talonnade, c'est un Madjer. Ah, voilà, une Madjer. Et une pourquoi Madjer. Parce que c'est Madjer qui a marqué comme ça, Zama. Où ça? En Algérie. En Coupe du Monde en 82. Ah ok, ouais, c'est pour ça que tout le monde la connaît. Voilà. Ah, ouais. Parce que nous on invente des gestes, nous. Et vous, vous avez inventé quoi? La roulette de Zidane. Je connais pas. Et Zidane, il est algérien. C'est ça que je veux dire. Il est algérien. Quels sont les deux types de crampons utilisés sur du gazon? Deux types? Ouais, il y a deux crampons possibles. Genre il y a des noms? Ouais, tu connais pas? Attends, bah c'est des crampons à pic et des glitchs. Crampons moulés et crampons vissés. Oh. Tu peux pas savoir? Ok, une beaucoup plus simple. Comment appelle-t-on le marché des transferts? Le mercato. Ah, voilà. Ok. On va voir si t'as bien révisé ta leçon depuis 2 ans. Cite-moi 5 noms de championnat. Ah non, 4, c'était 4. Et bah là, je veux 5. Ah, mais c'est pas possible. Si, allez, non. Allez, s'il te plaît. Bah, la Ligue 1, la Ligue 1. Attends. Ne faisons pas d'erreurs. Parce que moi, je les connais maintenant. La Ligue 1. Ouais. La première ligue. Ouais. Qui, en fait, c'est pas première ligue, c'est Premier League. Ouais, Premier League. Parce que c'est pas en France. C'est l'Angleterre. Oh, elle a révisé. La Liga. Ouais. Attends, il y a eu toute une histoire sur ça la dernière fois. Oh, putain, non, c'est pas possible que je me rappelle pas. Ce n'est pas possible que je ne me rappelle pas celle-là. Le championnat d'Allemagne. Où d'ailleurs il n'y a pas de Benfica là-bas. Il y a Benfica là-bas. Il y a Benfica. C'est au Portugal. Ça finit par Liga à la fin. La Benfica. Oh, je me rappelle plus. La Bundesliga. 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 Non, tu devrais t'en rappeler, donc ça en fait 4. C'est ouf quand même, hein. Pourtant, ça m'avait vraiment marqué. T'en rêvais la nuit même. J'entendais Bundesliga. Arrête. Championnat d'Italie. Facile. Ligi. Liga. Primera Liga. Liga Primera. Ça commence par un C. C Liga. Quando Liga. Ah, c'est un truc comme ça. Cugunda Liga. Non, c'est A. Kaka Liga. C'est A L. Calca Liga. C'est A L C. Calca. C'est A L C I. Calqui. C A L C I O. Calcio. 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 C'est le calcio.
Comment qu'elles sont? Quelles sont? Ok, et dernière question. Okay. Comment s'appellent les supporters? Oh non, j'ai oublié. Pas les supporters, même les joueurs du Barça. Et les supporters du Barça, ceux qui portent le maillot. Les Barcelènes. Les Barcilènes. Non, c'est plus par rapport à la couleur. Les rouges et bleus. Rojo et bleu. Non. Les... C'est bleu mais avec un A-O. Blau. Voilà. Voilà. Et après, rouge, c'est juste tu mets le G en premier et ça fait GR. Gran. Vas-y. Blaugrana. Blaugrana? Ouais, je te dis tout à l'heure. Hop. Non, moi j'ai entendu les Barcelènes. Vamos Barcelona. Hello Barça. Celui-là, elle remixe tout à son aise. Oh non, je suis dégoûtée parce que franchement, la première fois, j'avais fait presque un sans faute. Ah ouais, et là, tu vois, tu m'as arnaqué. Les questions, elles sont trop difficiles. Il a posé des trucs, genre, jamais entendu parler. Je ne suis pas d'accord. Et en plus, il y a un numéro qui appelle d'ici. Yes, hello. Moi, je vous demande, les abonnés d'Océane, s'il vous plaît, de lui dire en commentaire que cette fois-ci, il a vraiment abusé. Il a posé des questions trop difficiles. Et que ce n'est pas digne de mon mari, au fait, de me poser des questions aussi difficiles. Ok. Tu t'en fous ? Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, vous pourrez participer à une soirée spéciale avec McDo la semaine prochaine, le 9 mars. Comment être invité ? C'est très simple, il faudra commenter ce post Instagram qui est sur le Instagram de ma chérie. Voilà, et on vous contactera, vous serez tiré au sort, on vous contactera et 10 d'entre vous seront sélectionnés pour participer à une soirée spéciale. Donc vous serez avec nous, la Gaia Family, avec Coach Ehan. On fera des challenges, il y aura 3 challenges et 3 gros cadeaux PSG à gagner. Ça va être la folie, il y aura un DJ. Moi je peux gagner le cadeau PSG? Bien sûr. C'est vrai? Ouais. Je fais le challenge? Ah, tu fais le challenge, c'est normal. Ah, trop bien, je savais pas que moi j'étais inclus. Moi non plus. Petite livraison, moi. Elle est contente. Voilà. Eh, si vous voulez vous envoyer des cadeaux, hein, envoyez-nous. Hein, je mets une boîte postale là, en bas. Ouais, on a une PO Box, c'est vrai. Pas des cadeaux, mais si vous voulez nous envoyer des lettres ou quoi. C'est quoi une PO Box? Bah, j'ai ouvert une PO Box. Ah, bah voilà, où ça? À la poste. Où ça? Quelle poste? Paris? Dubaï. Non, Dubaï. Trop bien! Ah bah voilà, on a une PO Box, bah vas-y envoyez, hein, franchement avec plaisir. Si vous voulez participer à cette soirée spéciale et nous rencontrer et passer 2-3 heures ensemble et manger des burgers, invité par McDo VIP tout cadeau, boum, vous allez sur les comptes Instagram. Toutes les infos de ce concours sont sur son compte Instagram. Allez, et n'oubliez pas de suivre les deux comptes, donc celui de Souila et le mien. Et comme ça on décidera des winners et on se verra samedi prochain. Il y a une vidéo qui sera l'annonce de la CN Cup. Donc n'oubliez pas de checker ça et de vous dire en commentaire qui sera selon vous le favori de cette CN Cup. N'oubliez pas de vous abonner à la Gaia Family, hein, parce qu'on fait beaucoup de vidéos ensemble, voilà, en mode famille avec les enfants, etc. D'ailleurs, j'aimerais bien copier de la dédicace du jour sur la Coach Ehan, si tu m'autorises, parce que c'est cool de donner des petites dédicaces aux abonnés. Moi j'aime bien, c'est cool. Bon, laissez-moi un max de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Coach Ehan en cliquant sur le Coach Ehan qui apparaît sur la tête de Souila. Quoi? C'est bon, t'as cliqué? On se voit bien sûr. À la prochaine séance. Bye.